Bonsoir chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous comme nous, vous savez que c'est le sport qui prend le pouvoir et nous sommes bel et bien dans... Euh, le cadre de la semaine de la genèse, l'adresse du chef de l'État à la nation, c'était il y a quelques minutes avec les remerciements et surtout les félicitations de ses collaborateurs par rapport à la sixième édition, l'organisation euh, du Chan qui s'est achevée simplement dimanche dernier. Mais qu'à cela ne nous sommes là euh, dans le cadre de votre programme H-Foot. On va revenir sur ces grands moments de sport pour ce qui est euh, des ces jours qui viennent de s'achever. Pour cela, euh, ils ne sont pas des moindres qui nous rejoignent. Euh, ce soir sur ce plateau, on va commencer peut-être par celui-là avec qui on a commencé euh, ce plateau depuis la première édition. Ça fait trois ans que l'aventure dure. Le président manager Adam Pomi. Bon Bonsoir et bienvenue président. Bonsoir Daniel Fissinjek. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Ashfoot et bonne fête de la jeunesse. Ça n'a pas été évident. Hein? Ça fait euh, huit mois que vous n'êtes plus passé par là. Ça n'a pas été évident pour vous. Vous êtes toujours en train de couvrir au Maghreb, dans vos actions personnelles et surtout la Covid par oui, exemple qui aujourd'hui met en berne le défilé du 11 février demain exactement Daniel Fissingek. vous savez euh, depuis pratiquement 8 à 9 mois on est dans une situation euh, assez critique, assez difficile assez inédite parce que euh, on traverse une grosse crise financière déjà et sportive parce que l'un secteur, des secteurs qui a été le plus touché par cette crise sanitaire reste quand même le football les clubs sont en faillite totale il fallait se battre il fallait créer d'autres opportunités il fallait euh, reboucher les trous. C'est la raison pour laquelle, euh, comme vous le dites tantôt, euh, ces huit derniers mois, j'ai dû batailler très fort pour essayer de, de, de sauver la face. Parce que après le Covid, il y a une vie. Il fallait continuer à faire vivre l'équipe. Il fallait continuer à faire vivre tout l'ensemble euh, du mouvement sportif qu'on a créé. Dieu merci, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on est là. On est là pour informer. Les téléspectateurs des H-Foot qui sont restés quand même dans mon cœur. Je pense que euh, l'aventure repart et des bonnes choses. vont passer de très, bonnes, de très bons moments ensemble. Et merci infiniment de votre disponibilité une fois de plus dans ce projet. Rappelons que vous avez fait le premier plateau de ce programme H-Foot il y a trois ans, jour pour jour. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé. On a essayé d'évoluer aussi à notre manière. Donc sentez vos chevaux. Bienvenue une fois de plus chez vous. Et celui que je m'avais introduit, il était là il y a trois semaines très exactement. Il officie. Du côté du tourné Karaklou, de Aundes transfuge des aigles roi de Aigle, la minois, c'est un entraîneur bien connu sur la scène nationale. Les intimes l'appellent Marcelo Lippi mais lui, euh, il se fait appeler son patronyme, c'est Grégoire Atangnangandi Bien le bonsoir, et bienvenue coach. Bonsoir fils, euh, merci de me recevoir ce soir sur H Foot. Je crois que comme d'habitude, on va essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs et on, on espère que à la fin de l'émission, beaucoup de choses seront détaillées et les téléspectateurs, les téléspectateurs seront euh, satisfaits de ce que nous pourrons leur apporter comme information. Mais vous n'êtes pas les bons joueurs, le champ s'est achevé, mais on s'est rendu compte que le tournée Calara Club que vous entraînez n'a même pas euh, aligné un joueur sur les 30 que le Cameroun a aligné à cette compétition. Oui, euh, vous savez, c'est comme si nous étions dans une gare routière et le premier bus qui est parti. On n'a pas eu la chance d'avoir une place. Espérons qu'au prochain bus, on aura la place. Donc, c'est pour dire que euh, le tonnerre ne peut pas être partout. Nous ne sommes pas la seule équipe. Ce n'est pas une excuse. Le coach a fait ses choix. On les a respectés. Est à nous de continuer à travailler pour que dans les prochaines séances. Que les joueurs de y figurent. Vous avez déjà repris les entraînements Parce que le chat est terminé. On pense déjà au championnat on en parlera peut-être dans cette édition. Est-ce mmh. que vous avez retrouvé le chemin d'entraînement Non, nous sommes dans les statiques blocs. Dans les prochains jours les jours futurs, je crois que le Tonnerre va reprendre les entraînements. On y travaille pour. Donc, je crois que les détails sont en train d'être réglés. Je crois que d'ici là, on va reprendre le chemin des entraînements. Merci infiniment de votre disponibilité. On sait que ce n'est pas évident de traverser euh, toute la ville pour arriver dans nos studios ici, une fois de plus, pour partager cette bonne ambiance, pour partager ces informations avec euh, nos téléspectateurs. Et c'est lui que je m'en vais introduire. Il est l'ex-président de as et toi mais qui est devenu Faux Vazure élite au jour d'aujourd'hui. Il est resté dans ce timing, aujourd'hui par le nom de Rigobert Sombarnac, lui qui est le nouvel brand ambassadeur de Onexbet, c'est une société de Paris en ligne. Bonsoir et bienvenue, Président. Bonsoir, Daniel Fils, bonsoir à mes componnalistes, bonsoir également à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi. Président Jolie Voboul. On vous a vu, vous avez, vous avez fait plusieurs plateaux avec nous ici. À un moment, vous avez, la, vous avez la casquette de président d'Étoile Meki. Euh, par la suite, il y a une session acquisition de cette Étoile Méqui. là Aujourd'hui, vous, vous vous occupez à quoi Alors, je... Qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on dit que vous parlez au nom des Obèses au jour d'aujourd'hui Ça fait toujours pas plaisir lorsqu'on parle au nom de. Euh... Merci de l'honneur que vous nous faites. On repart de l'autre côté, on va prendre une respiration et le sommet derrière. Merci de nous accueillir chez vous, chez nous. Vous êtes bel et bien sur votre programme h sur votre télévision panafricaine h -T. On va peut-être commencer par là. L'administrateur, président, euh, directeur, manager, euh, président Adam Poumier. On va coller un mot sur cette actualité qui a fait la une euh, pratiquement toute la semaine du côté des Pays-Bas. André Onana qui aurait ingurgité un, pro un produit de sa femme et finalement testé. Euh, positif, pour ne pas dire euh, qu'il a eu, euh, voilà, qui, qui se retrouve dans cette situation-là, il est suspendu euh, pour 12 mois. Un commentaire sur cette actualité, Président ben, Écoutez, Daniel Fissingek, il faut dire que l'affaire remonte déjà en octobre, et, et, ouais. euh, suite euh, à un incident. Euh, un incident, comme il le il dit tantôt, il a dû confondre un médicament de sa femme, de sa copine. Euh, contre de l'aspirine parce qu'il avait des migraines et il s'apprêtait à aller aux entraînements, il était pressé, il a dû prendre le flacon en se disant que c'était de l'aspirine. Il a été testé et les résultats sont tombés euh, positifs à un produit interdit. Je pense que euh, euh, son club, il a le soutien de son club, il a le soutien du Cameroun. Déjà au niveau de son club, euh, euh, l'appel a été interjecté auprès du TAS et je pense qu'il euh, y a des médecins compétents, je pense qu'on va l'entendre, je pense qu'il va... Quand même euh, bénéficier de circonstances atténuantes parce que vous ne pouvez pas condamner quelqu'un de 12 mois qui a un passé, qui a un passé blanc parce qu'André ou Nanana n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Tout le monde peut faire des erreurs et il faudrait vraiment que euh, les responsables euh, anti-dopage euh, de, de l'UFA soient indulgents et comprennent que tout le monde peut faire des erreurs. Et sur si le cas présent, il a, il, a, il, a un, il a un passé vierge et il n'a jamais, en aucun cas, pris des, 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 des substances pour peut-être favoriser ses performances sur le terrain. Ando c'est l'un des meilleurs gardiens qu'on peut trouver en ce moment en Europe et il n'a pas besoin de cela. Je pense que l'appel à l'intégrité auprès du TAS va aboutir et que la lumière va être faite et que peut-être on va essayer de réduire sa peine ou carrément l'annuler. Coach Grégoire Atanangan, est-ce que lui, il n'a pas eu la main lourde? 12 mois de suspension pour un athlète comme celui-là, qui se, il est déjà sur les tablettes des plus grands clubs du monde. On a vu par exemple l'offre qui a été faite il y a quelques jours par la formation de Dortmund du côté de l'Allemagne. Oui, fils, moi j'ai un problème avec l'ascension de Nana parce que vous voyez, c'est en octobre qu'il passe le contrôle, le test de contrôle antidopage. Et c'est en décembre que l'UF appelle son club pour signifier que le joueur a été testé positif. Et c'est en février, fin février, début euh, fin janvier, début février que la sanction tombe. Moi, je pense, je dis euh, ce genre de situation, c'est vrai, on n'a pas la chance d'être entendu au niveau de l'UFA. Généralement, moi, je souhaiterais que ce genre de choses soit un peu plus rapide, parce qu'on ne peut pas être testé en octobre, en décembre. Il y a on son club, club qui est engagé en UEFA, oui, on que... informe le club en décembre pour sanctionner le joueur en fin janvier début février. Moi, je pense que ça a été un peu lent. Et j'essaie un peu d'imaginer le, co le coup qu'il a eu et ce que le club subit, comme vous le dites, avec euh, toutes les sollicitations qui étaient déjà sur la table de, du club. Et puis après, quand je vois un peu par rapport à d'autres joueurs qui ont eu ce genre de situation, là, je pense que la main a été un peu très lourde, parce que l'UEFA a reconnu qu'on en a pris un médicament sur le, accidentellement. Ils l'ont reconnu durant le jugement et même maintenant l'ascension. Espérons qu'avec l'appel que la a fait, euh, l'ascension pourra être réduite, mais comme on connaît les juridictions sur le plan international, en pensant qu'on peut réduire l'ascension, elle peut être aussi être prolongée. Donc tout ce que je peux souhaiter, c'est que l'ascension soit réduite pour qu'on on en a pu se retrouver les terrains les plus dans les jours les plus proches. Voilà. Président Jolie Vauboul, on se pose quand même les questions. Euh, lorsqu'on est un athlète de haut niveau avec cette situation qui est présentée, euh, le corps ne vous appartient pas. Donc vous devez euh, être méticuleux avant de consommer quoi que ce soit. Oui, c'est vrai, surtout lorsqu'on joue au haut niveau comme euh, André Onana. Je pense qu'ils ont même un club des médecins qui les, qui les suit, qui les, qui les suivent autant pour moi. Mais euh, je pense que euh, le joueur a commencé à donner des les explications, on le sait pourquoi on en est en arrivé là. Euh, comme, euh, On a vu Jipon euh, qui a dit qu'il allait jouer 90 minutes, mmh. mais il y a plutôt autre chose qui est ressorti de là pour faire un peu l'intrigue, en mmh. disant que euh, sa compagne est actuellement enceinte. Oui, mais c'est un homme. Euh, il, doit, il, a, il, il a le droit de fonder sa famille. Il a le droit de faire ce qu'il veut de sa, de, de sa vie. Mais en même temps, pour l'instant, c'est un problème sportif. Il a euh, apporté des explications. Mais est-ce que ces explications vont convaincre les gens qui lui ont donné cette sanction Attendons voir. Donc pour l'instant, euh, c'est dommage quand même qu'on en arrive là. Espérons juste que l'appel qui a été interjeté auprès de au, au niveau du TAS va apporter euh, euh, une amélioration de sa, de, de sa sanction. Donc euh, nous attendons juste pour voir ce que ça va donner. Nous attendons véritablement et je pense euh, du qu fait que tous les Camerounais doivent euh, comme ça être au chevet, doivent soutenir le lieu indomptable du Cameroun. En Mars le prochain le Cameroun sera sur la scène. En ce moment, on ne pourra pas compter sur lui, bien que Fabrice, lui, vienne de trouver un refuge quelque part. Il a été signé et finalement, prêté et de ce côté. Là, notre rédaction s'est planchée sur cette situation. On prend ce reportage qui est signé par Marina Kogvina sur le cas de la suspension pour dopage d'André Onana. C'est un véritable coup dur depuis la fin du week-end dernier pour le portier de l'Ajax Amsterdam. Angry Onana ne pourra pas disputer les compétitions de l'Union européenne de football et association UEFA durant 12 mois. De la Ligue des champions à la Coupe d'Afrique totale Cameroun 2021, en passant par le championnat hollandais, le prodige camerounais entre en repos forcé pour violation des réglementations antidopage. Suite à un contrôle de fin octobre dernier, la substance interdite furosémite a été retrouvée dans l'urine du gardien de but. Selon l'Ajax, Onana a accidentellement reçu le médicament par le biais d'un comprimé prescrit à son épouse qu'il a pris pour cause de malaise. C'est donc à l'issue des résultats que l'instance a décidé de sanctionner le lion indomptable de toute activité de football nationale et internationale. Une décision que son club ne compte pas admettre. Il a d'ailleurs fait appel au tribunal arbitral de sport contre la suspension prononcée par l'Union européenne de football association UEFA. En attendant la suite des procédures, la sélection fanion camerounaise des Lions indomptables peut d'ores et déjà savoir à quel sens se vouer. À ce magnifique reportage d'André Bélaï, on va s'excuser, ce n'est pas Marina Kogvina, mais c'est plutôt André Béla et au réalisateur, Diani. De l'autre côté de route un peu, mais c'est toute la rédaction qui se mobilise dans le cadre de la production de ce programme qui est aujourd'hui est un programme phare et culte de, de HTV. On poursuit. Euh, Président, manager, Adam, pour vous êtes dans le téléphone, mais vous pouvez le mettre à côté. Le temps euh, que de gérer deux, trois business à la fin du programme. Parlons de, euh, toujours hein, de, du, du parrain d'André. On en a, c'est plutôt Samuel Etto. On l'a vu au nord, on l'a vu à l'est. Il y a quelques jours, il était du côté du sud, Cameroun, et de ce côté partout. À chaque fois, il est toujours intronisé. Mais à côté de ça, est-ce que. Derrière cette tournée de Samuel Eto'o, il y a quelque chose qui s'y cache bah Écoutez, Daniel Fissing, je ne vais pas m'avancer euh, dans des propos ou bien dans des affirmations qui ne sont pas fondées. Pour le moment, euh, Samuel Eto fils euh, qui est un jeune fils du Cameroun, qui a le droit d'aller partout où il veut au Cameroun, parce que c'est un Camerounais. Et s'il si a décidé, comme ça, de faire une tournée, peut-être de reconnaissance, peut-être une tournée de remerciement, peut-être une tournée de, de prise de contact. Je pense que c'est de son droit absolu. Maintenant, qu'est-ce que cache cette tournée Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans, sans feu. feu. Quand on voit la fumée quelque part, ah. c'est que forcément il y a du feu. Parce Attends, on, on va voit... prendre un, un exemple. On l'a vu avec des messieurs comme Gaïbaï au nord, et on sait qu'ils sont les acteurs privilégiés du football. On l'a vu avec des messieurs comme Léon et Mézan du côté de l'est, on sait qu'ils sont les acteurs privilégiés du football. On l'a vu il y a quelques jours avec Mme Slitiko Mendomo euh, dans le sud, on sait qu'ils sont les acteurs privilégiés du football. De ce côté-là, c'est pour ça que nous on a voulu, au côté de cette tournée, nous interroger, est-ce que Samuel Eto'o ne prépare pas quelque chose pour les Camerounais Écoutez, euh, moi je pense que ce serait mieux de, déjà de poser la question à l'intéressé. Euh, on ne peut rien attendre. Dans les prochains jours, je pense, on saura son carnet de route. On saura effectivement pourquoi est-ce qu'il a entrepris cette tournée nationale. Et, et quand vous parlez des acteurs privilégiés euh, qu'on a aperçu à ces côtés, je pense que si Samuel fils venait dans mon village, on allait m'appeler parce que je suis dans le foot, je fais dans le foot et je suis l'une des personnes la mieux indiquée pour recevoir Samuel Etofis dans mon village. Donc je pense qu'il faut attendre. N'ayons pas vite en besogne. Attendons voir. Peut-être Samuel Etofis nous réserve une supplice, On ne peut rien attendre. Dans quelques jours, je pense que... Est-ce que vous ne journée... faites pas un peu de politique non, c est, c est, Je ne peux pas affirmer ce que je ne connais pas. Pour affirmer quelque chose, il faudrait bien que j'ai des sources. Il faudrait bien que je sache exactement que Samuel Etofis, peut-être, est en train de faire une campagne à la présidence de la Foot. Peut-être c'est ça que vous voulez que je dise, mais je ne le dirai pas parce que je ne suis pas sûr. Il n'a rien dit du tout. On va attendre pour voir un peu à quoi rime ce tour du Cameroun, en espérant que c'est pour le bien du football camerounais. Coach Grégoire Atanangandi, on s'interroge sur euh, ce déploiement du Pichichi national, comme il s'est fait appeler par les intimes. Moi, je crois qu'à chaque fois que Samuel euh, s'est déplacé dans une région, je crois qu'il y a toujours eu une, un communiqué de sa fondation. Donc, pour moi, je, je, je reste dans le cadre des activités de la fondation de Samuel Eto. Et le programme est toujours bien déroulé. Donc, maintenant, si derrière la tournée de la fondation de Samuel Eto, il y a quelque chose. Il, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, tant mieux. Mais, mais vous n'allez que... pas aussi nous refuser de nous interroger parce qu'on voit tous ces acteurs qui gravitent autour et on sait ce qu'ils représentent dans le football camerounais. On sait qu'en ce moment, dans quelques jours, il faudra un nouveau bureau à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ça, comme ça, ça, on ne peut pas vous empêcher de vous interroger, mais je dis à chaque fois que Samuel s'est déplacé, il y a eu un programme qui est dressé et avec, euh, bien éventuellement, signé sur un papier en tête de la Fondation Samuel Eto, avec un programme, avec des objectifs précis. Pourquoi est-ce qu'il fait sa tournée Mais maintenant, si derrière sa tournée, il y a un agenda caché, ça, je ne peux pas vous le dire ici. Mais je pense qu'un digne fils comme Samuel Eto, comme l'a dit euh, Adam Poumier, qui est un fils, qui est un Camerounais, qui est aussi adulé comme d'autres stars dans leur pays, je pense que ce genre d'action de, 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 est très important parce qu'à lui aussi de pouvoir palper. Quel est son niveau de popularité au niveau de, 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 dans son pays Et je pense que peut-être derrière ça, il pourra toucher à travers sa fondation les vrais problèmes que les populations ont et pourra apporter son soutien comme il le fait d'ailleurs dans les hôpitaux pour les jeunes. On a qui vu, il, il a dit à EFAI véritablement que du côté de Ngambé, il avait mis des moyens. Finalement, il y a eu des détournements, il y a eu beaucoup de choses. Il a donné le soin à sa maman euh, depuis quelques jours de véritablement mettre un accent pour que ce pavillon. Euh, finalement soit finalisé qu'il y ait cette morgue là du côté de on, on sait de quoi on parle parce que c'est euh, chez nous de ce côté qu'il y a une morgue euh, à, à Ngambé parce que il a mis les moyens mais il va redéployer ses équipes euh, pour que cela soit fait ça c'est quelques exemples en parlant des activités de la fondation Samyétiou. Oui justement c'est ce que j'étais en train de dire parce que il touche du doigt les vrais problèmes de la population et à travers sa fondation il peut apporter euh, des soutiens et peut-être si derrière cette tournée de la Fondation, et que la, il constate que la population réclame pour que il serve le pays sur quelle qu'en soit l'action, je pense que, comme on le dit, si derrière ça, c'est pour être président de la Fédération, moi je pense que si la, la, la population réclame, je pense que c'est légitime qu'il pose sa, sa candidature. Comme nous ici euh, sur le plateau, tout, tout le monde peut du jour au lendemain pour décider, si ça, rentrer, décider sur rentrer sur ce terrain. Politique. Sur ce terrain donc c'est libre à tous les Camerounais qui pensent qu'ils peuvent apporter au football camerounais. Mais moi, je m'en tiens au programme, aux actions de la Fondation Saint-Mérito. Président, je l'ai boulot. On a vu Didier Drogba, candidat à la Fédération Ivoirienne de football, malgré toutes les typitudes et tout le combat. Est-ce qu'on peut refuser aujourd'hui à un fils du pays, euh, du terroir comme Saint-Mérito, après tout ce qu'il a fait d'être, par exemple, candidat à la candidature du côté de la Fédération camerounaise de football euh, mais déjà, je vais préciser en disant que Samuel est aussi un citoyen camerounais comme tout le reste. Il a le droit de se balader dans son dans son pays. Alors euh, maintenant, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on on, euh, euh, dise des choses sur Samuel. Euh, bon maintenant il y a d'autres qui ont dit c'est lui euh, qui est le président d'Africa Foot de manière de, 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 qui dirige à Foot actuellement ma population peut-être population bon maintenant mais aujourd'hui s'il vient aujourd que lui-même si, il vient avec ses deux pieds surtout qu'il a un enfin une oui s'il décide maintenant d'être président à Foot il n'y a pas de mal à ça c'est de son droit s'il remplit toutes les conditions pour être présent à l'Afrique, il faut qu'il décide de se présenter. Je vois pas où est le mal. Alors maintenant, comme on a dit, il ne faut pas, euh, euh, il faut pas euh, prêter euh, l'oreille à, à ce qui s'est dit. Maintenant, attendons. Il a tout un plan de communication. Il y a des gens qui la habitent autour de lui qui peuvent apporter des réponses écrites. Qu ce qui est sûr, c'est que si Samuel décide de se porter candidat. À la fédération, on le saura, pour peut-être on reviendra dans son, sur ce plateau, ça serait plus pour dire est-ce qu est que. Oui, est-ce que. Mais là, maintenant, on serait plutôt, on te dit bon, il est candidat, pensez-vous, par exemple, qu'il a les chances de gagner bon, C'est comme ça. Bon, maintenant, il y a du temps. Il y a des mouvements, il y a le Comment le déploiement On peut comprendre. Moi, pour moi, je comprends que c'est un citoyen camerounais. Il a décidé de faire le tour du Cameroun. On le laisse faire son tour du Cameroun. S'il y a quelque chose qui se cache derrière, on en saura, hein, tout simplement. Merci. Nous aussi, on va suivre de très près cette actualité-là. Après, le sud, quelle destination What Next Et on reviendra. On va suivre cela jour après jour jusqu'au déploiement. Parce que nous, à travers nos sources, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Qui pourrait se cacher derrière On parle bel et bien au conditionnel, donc n'allez pas dire à la maison que sur le plateau de Ashwood on a oui. confirmé ou bien on a donné des affirmations. On s'interroge juste parce que euh, nous sommes du milieu. On va parler d'une autre légende du football camerounais. On va peut-être commencer par euh, son représentant qui est parmi nous ici, qui va, euh, on l'a vu du côté de l'hôtel Montfibé il y a quelques jours. C'est lui qui a pris la parole, il nous a expliqué les différents schémas. Ma vie, c'est ce que nous on a retenu de ce côté euh, de Rigo Berson, lui qui veut s'engager dans le social aujourd'hui Il reconnaît ce que les camerounais, ils ont prié, ils ont euh, euh, fait des neuvaines pour qu'il revienne en lui comme il est Et là aujourd'hui, il veut dans le cadre de, du futur, conçu un hôpital, il veut organiser son jubilé de ses 17 ans de carrière. Et pour cela, quoi de mieux que Onexbet, cette société de paris en ligne, peut-être comme on voit l'argent qui s'est fait derrière, mais lui, il a plutôt voulu ressortir l'action sociale à travers cette conférence de presse qui a été donnée il y a quelques jours. Et celui qui le représentait personnellement de ce côté est sur ce plateau. Monsieur Jolivo Bol. dites-nous tout. Euh, on revient sur la cérémonie. Vous nous confirmez d'abord que Rigo Berson est le nouvel brand ambassadeur de One XB. Non, fille, c'est vrai que quand j'arrivais sur ce plateau, je n'avais pas prévu cette casquette. Mais oui, bon, mais euh, on, on ne pouvait pas tout vous dire. En vous invitant, on ne pouvait pas tout vous dire. Il fallait qu'on cache une partie. Et que devant nos téléspectateurs, maintenant, vous nous dites tout. Comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Et aujourd'hui, le déploiement. On a quand même vu une belle cérémonie, on a vu euh, tout le monde, on a vu Fadiga, les anciens Lyon, euh, tout autour les administrateurs et tout un beau monde. On comprend que Rigobert sont... Est quand même dans le cœur des Camerounais. Ben oui, justement, Rigobert est dans le cœur des Camerounais. Et quand on essaie de regarder ce qui se passe réellement lorsque quelque chose concerne Rigobertson, que vous voyez toujours le nombre de personnes qui sont toujours à l'affût, la, soit de l'information ou alors soit assister à des cérémonies auxquelles okay, ils participent. Je peux vous confirmer, hein, parce que je l'ai déjà fait lundi dernier au Montfébé, Rigobertson est effectivement le nouvel brand ambassadeur de la marque One Isbet Cameroun. Président-manager à dans ce partenariat, lui veut sortir ou bien veut ressortir le côté social à travers la construction d'un hôpital, son jubilé qui est annoncé à l'été 2022. Écoutez Daniel fils, récupération c'est c'est une véritable marque de pour euh, le sport, et particulièrement pour le football au Cameroun. Vraiment, ça me fait plaisir de lui parce que je me rappelle euh, à l'annonce de euh, sa maladie vous vous rappelez je suis passé du côté du curie et on disait qu'il était interné le nombre de personnes que j'ai vues à l'entrée j'ai compris que c'était quelqu'un qui représentait beaucoup pour le peuple camerounais aujourd'hui si à travers euh, cette société de Paris il arrive à ressortir ce côté euh, social ce côté euh, humanitaire ce côté euh, euh, familiale, c'est-à-dire aller vers les Camerounais, aider les jeunes Camerounais à, comme vous l'avez dit tantôt à l Il a la béruration, hein, à la construction à l'amélioration à la construction des hôpitaux, je pense que ça ne serait qu'une partie de, de l'amour que les Camerounais ont pour lui qu'il va essayer de remettre, c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour le peuple Camerounais et pour tous ceux qui vont bénéficier de ce partenariat parce que les Goberts sont montré plus d'une fois qu'il était un véritable Camerounais Coach Grigouard Atanangandi, dans ce partenariat au côté social, il y a quand même que ça fait. Euh, il a eu 17 ans de belles années de carrière. on se Vous étiez peut-être dans ce stage où il racontait sa vie, où il est arrivé après les bracelets du Cameroun. Il est arrivé, il avait à peine 15 ans du côté de Bafoussam, il a dormi. Euh, il a fait le pit pocket, comme on dit souvent. Et finalement, il s'est retrouvé derrière des messieurs qui couraient matin. C'est comme ça qu'il a intégré. Resta de Bangu, l'entraîneur qui l'amena chez lui et finalement qui lui posait des questions. Tu dors au lieu de lui, dire, je dors dans la rue, je n'ai pas là où euh, je dors. Et l'entraîneur qui est là, comme étant enseignant, il, il s'est retrouvé en train d'aller puiser de l'eau. C'est comme ça que la dame du monsieur l'a accepté et Patatras. C'était parti, même son arrivée à l'équipe nationale, il était cochambrier avec euh, le 7, celui qu'on faisait, on appelait le 7 François, Oumambi. Tout cela, ça dit beaucoup de choses. Et lorsqu'on se retrouve dans un partenariat comme celui-ci, qu'est-ce qui peut se dégager Moi je pense que déjà euh, la, le récit des 17 ans de carrière de sont c'est une leçon de la vie. Parce que à l'entendre parler, je crois quand il parlait, il y avait tout un silence dans la salle. Tout le monde voulait écouter. Et ce jour-là, euh, Rigobertson euh, nous a donné beaucoup de leçons sur les 17 ans de sa carrière. En résumé, quand je vois aujourd'hui euh, le, le lien qu'il a avec un XBEC et ce qu'il décide de donner à la population sur le côté social, c'est en fait sa vie. Rigobertson a une vie où beaucoup l'ont apporté. Et sur le plan, lorsqu'il est tombé malade, c'est quelque chose qui l'a marqué. Parce qu'il le, le disait toujours, lorsque nous étions dans des pauses, il disait toujours, moi qui pour que tout ce monde vienne au chevet de mon lit quand j'étais malade, moi qui ce sont les choses de Dieu. Et aujourd'hui, cette étape lui a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, il pense que, en fonction du nombre de personnes qui souffrent, qui ont besoin de ce genre de, de soutien, il a pensé apporter quelque chose sur le plan de la construction d'un hôpital et pour lui de profiter de faire un jubilé pour marquer un peu la fin de sa carrière et je dis aujourd'hui ou un x bet c'est un grand coup parce que euh, beaucoup bon voit que c'est Rigobertson qui gagne mais je pense qu'il faut aussi dire que l'entreprise euh, de, de parier, et aller chercher quelqu'un qui fait l'unanimité voilà ça c'est vrai parce que c'est un pari gagnant gagnant parce que c'est une image c'est une icône et comme on dit, c'est ça, que le meilleur en profite, que ce soit Rigo Besson, que ce soit Isbet. Et après, bon, on ne peut être que content parce que c'est le capitaine emblématique de l'équipe nationale du Cameroun. Le président vos boules. Oui, euh, je pense que euh, ouais, euh, le, le, coach. Coach, le coach a, a justement malayé tout ce qu'il y avait à dire dessus. Rigobert euh, euh, et puis a démontré dans le au Cameroun. Et partout, même en Afrique, vous voyez déjà la poussée. Vous avez présenté euh, donc, ces 17 ans de carrière avec oui, beaucoup d'émotion. Oui, c'est oui, toujours, toujours, toujours quelque chose de, de très fort lorsqu'on a euh, quelqu'un comme ça en face. Et surtout, et lorsqu'il vous parle, par exemple, que sa vie est un miracle, c'est pratiquement le résumé de sa vie. Et ça fait partie des choses sur lesquelles euh, l'entreprise s'est beaucoup appuyée pour pouvoir euh, donner son accord. Pour le choix de la personne de gouverne. c'est vrai, comme il vous l'a dit pendant les, euh, pendant lorsqu'on l'a dit pendant la, la cérémonie, c'était une shortlist avec euh, d'autres personnes. Mais lui, au regard même déjà du projet, du projet qu'il véhicule et que la marque One is Isbet aujourd'hui dans son implémentation au Cameroun essaye aussi à un moment donné, qui accentuer ce euh, sur le plan social. Je pense qu'il fallait véritablement coller une image de la personne et qui pouvait mieux porter que, euh, que, que Rigobert. Et euh, comme il dit toujours, le pays lui a donné. Il faut également qu'il puisse euh, donner à ce pays. Comme pour dire, le football m'a tout donné. Il faut que je rende au football ce qu'il m'a également donné. Président, et C'est sur ces mots que vous allez peut-être conclure sur le sujet. Comment vous, aujourd'hui, qui le représentez, avez fait Parce qu'on a été un peu à vos côtés, on sait que ça n'a pas été évident. Euh, le temps que ça a pris, comment vous avez fait pour pouvoir convaincre Bergson d'adhérer à ce projet-là, parce que ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est un projet qui date des années. Oui, c'est vrai que euh, nous sommes arrivés en phase finale, mais euh, ça n'a pas été la chose la plus facile. Mais tout est il dit, de ce qu'on a à faire, les professionnels, on sait comment euh, mener les actions pour qu'elles puissent aboutir. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons retenir, c'est... -ce Est-ce que vous êtes un PM. privilégié mais je ne vais pas envie de dire que je suis un privilégié, mais c'est euh, une très grande joie d'accompagner Rigobert. Ça veut dire que vous avez bien appris votre marketing aujourd'hui. Vous êtes à un autre, vous êtes à un niveau supranational. Félicitations déjà. Est-ce qu'on peut Ça. applaudir pour le président Jules Boboul parce que euh, il fallait il a travaillé pendant des mois et des mois et on a vu un peu bosser, on a vu euh, sous le soleil, sous la pluie, à, à, pour rentrer même en contact avec Rigobert. C'était pas évident. On sait de quoi on parle. Et lui aussi. Mmh. Il, il sait évidemment de quoi nous parlons au ben, On dit qu'on ne va pas dévoiler tout ce que tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant, le, comme je j'ai dit, le plus important, c'est justement de garder l'aspect positif et ce qui en ressort ce partenariat. Je vais un peu utiliser votre jargon quand même toujours utiliser au quartier. Ce n'est pas une histoire de njambo. Parce que moi, parfois, d'autres ont dit, je suis sûr, on dit, il part euh, fier des actions avec des gens qui font des paris. Non. Derrière ça se cache quelque chose de très grand qui concerne beaucoup plus. Euh, Donc, Rigobert et Once It Bet aujourd'hui se sont mis ensemble pour euh, euh, aider eh, les populations vulnérables. La communauté vulnérable, c'est ça qui nous a mis en avant, que nous mettons en avant. Avec le partenaire, c'est ça que nous avons échangé. Avec le partenaire, c'est de ça que nous cherchons d'abord à faire en premier. Parce que. Au-delà de ça, c'est vrai, comme j'ai dit ce jour, il y a deux aspects. Le premier aspect l'aspect business. Il y a l'aspect business, probablement. Parce que l'entreprise également a besoin il de. Il n'y a pas de philanthropie dans quelque le chose. business. Donc, non, pas de philanthropie. Je dis, on pense sur des principes bien clairs. Première chose, comment est-ce que nous allons développer le plan social Et deuxième chose, vulgariser la marque également. Donc C'est de ça qu'il est question. C'est un venture. John venture justement. Et puis, toutes les parties sont tombées d'accord et aujourd'hui, nous avons le résultat que nous avons là. Donc, nous allons continuer à travailler pour que ce qui a été promis puisse se réaliser pour le bonheur également de toute cette population, que ce soit ceux qui vivent avec un handicap, que ce soit ceux qui sont en, 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 très vulnérables, de pouvoir bénéficier de la chose sur laquelle ils pourront désormais, comme lui-même dit souvent, il a perdu son papa très jeune. Parce qu'il a eu un accident de circulation qui, s'il y avait un hôpital à côté qui aurait permis à ce qu'on puisse le traiter rapidement, peut-être le pied ne serait pas arrivé. Alors maintenant, en se rapprochant de la population, on se dit, au moins ne ce serait-ce que les premiers secours, comme lui en a bénéficié, et si ce n'était pas l'aide du chef de l'État, peut-être, qui sait, on aurait pu réduire au à nos jours. Mais Dieu a permis à ce qu'il soit là, et peut-être parce qu'il a cette mission. Dieu veut qu'il nous permette de le réaliser, c'est pour cela qu'il a gardé en vie. Fait. Et dans cette mission, elle la résume dans ma vie, que vous pouvez retrouver sur des sites internet comme football237.com, l'intégralité euh, signée par votre humble serviteur, président, manager Adam va sorti de cette première partie avec l'élection à la tête de la Confédération africaine de football. Le task qui joue nos jeux troubles, Ahmad Ahmad, a été remis au devant de la scène. À côté de cela, le bureau exécutif... Exceptionnel s'est réuni à l'hôtel Hilton il y a quelques jours et le bureau refuse d'accepter la candidature ou encore d'adouber la candidature du président Ahmad. Ahmad, et même ici à Yaoundé, parce qu'on organisait le chant Maître Augustin Senghor a dévoiler sa candidature et son plan de campagne. C'était à l'hôtel Hilton. Ahmed Yaya lui donne rendez-vous le 13 prochain à Nouakchott, du côté de la Mauritanie. Donc ce sera très exactement samedi prochain. Commentaire -ce cette situation cette élection à la tête de la Confédération africaine de football Écoutez, c'est une situation assez complexe parce que, euh, à ma connaissance, le c'est est euh, l'organe suprême en matière de juridiction sportive. Donc, elle a le pouvoir de vous condamner elle a le pouvoir de vous blanchir. Et si Ahmad Ahmad a été blanchi, pourquoi est-ce que le comité exécutif refusait aujourd'hui d'adouber sa candidature moi, je pense que c'est une situation assez complexe, comme je le disais tantôt. Euh, je ne vois pas la raison pour laquelle Ahmad Lama ne va pas se présenter comme président, puisque tout, euh, 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 les, les, tous les, les, les points d'inculpation qui pèsaient contre lui ont été élevés. L'OTAS a reconnu qu'il il, il, n'était pas responsable de, de, de beaucoup de points d'accusation de, 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 qui pèsaient contre lui. Aujourd'hui, on l'a remis à la place. Qu'il l'occupait avant. Donc, je pense que c'est de son droit et il a tous les droits de se représenter euh, comme président de la CAF. Est-ce qu'il n'y a pas un duel aujourd'hui entre la FIFA et le TAS et la Confédération africaine de football sur le cas Ahmad Ahmad hum, Moi, je pense que, telle que la situation se présente, je pense qu'il faudra redéfinir beaucoup de choses pour le football sur le plan international parce qu'aujourd'hui. Est-ce la... que ce n'est pas le tournant pour l'Afrique de prendre son autonomie Justement, comme on dit généralement qu'on peut profiter du désordre pour, pour bâtir un nouveau projet. Donc moi, je pense que la situation actuelle du football sur le plan africain, vraiment, n'est pas gaie. Et ce qui me choque dans cette situation, c'est que euh, nous donnons la possibilité à ceux qui nous pilotent de, 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 de s'enorgueillir, parce que de loin, ils nous regardent, ils sourissent. Parce que si nous ne sommes pas, nous regardons pas tous vers la même direction, ça leur permet de pouvoir continuer à, à manipuler comme ils le font aujourd'hui. Le désordre il est installé. On sait comment le désordre est installé les qui ont installé. Ça fait cinq candidatures, voilà, cinq candidatures, ça va dans tous et les sens. Il y a la CAF qui devait auditionner les candidats ouais, et voilà. finalement le TAS a remis en scène Amad Ils disons désormais Seng a remis en, en scène euh, pratiquement les autres candidats où les dossiers étaient en étude la FIFA a, a intervenu on, euh, on voit Senghor on voit le Mutepé et tout porte à croire que c'est Mutepé qui serait euh, le futur président de la Confédération Africaine de pouvoir parce que ça bagarre ça euh, avant cela on va avec le concours de la réalisation de l'autre côté avant de vous donner la parole président on va essayer d'écouter le président Augustin, Maître Augustin Senghor qui était, euh, qui a donné un point de presse, qui a présenté euh, son plan de guerre, son plan de campagne il y a quelques jours du côté de l'hôtel Hilton euh, de Yaoundé. En attendant, vous collez quand même un mot sur cette élection à la tête de la Confédération africaine de football. Oui, euh, pour coller un mot, et ce qui euh, me surprend quand même, c'est que c'est quelque chose qui est euh, particulièrement euh, qu'on observe chez tous les Africains. Parce que je n'arrive même pas déjà à comprendre comment... Euh, je crois qu'Ahmad c'est un sultan de liste. Qui les a permis d'être là avec son comité exécutif ouais mais comment se fait il que quelqu'un qui a On on avait même mon mari constant mon qui... mari qui a été mis dans des ténois avec madame vous, vous avez vous, 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 vous êtes avez, vous avez été élu avec vous avez avec quelqu'un vous avez une commission également qui a jugé bon maintenant de remis le candidat euh, le président sur euh, sur ses doigts mais comment vous le comité exécutif qui hier vous étiez ensemble subitement vous décidez de ne même pas le soutenir ça montre qu'il y a des euh, même basse qui se tourne, qui se trafique en interne. Donc, on espère que la FIFA, qui, qui doit jouer le rôle pour permettre à ces à, à, à différentes parties de pouvoir s'asseoir et bien s'entendre, n'est pas en train de foutre un mauvais jeu. J'espère bien, parce que il est inadmissible qu'on se retrouve un comité de justice passionnant à Lambourne, qui refuse d'adopter. Son, son président avec qui ils étaient ensemble. Est-ce qu'ils ne sont pas comptables de ce bilan-là Parce qu'on a posé la question, par exemple, à Constant Omaric est-ce que vous n'êtes pas, euh, euh, pas euh, comptable du bilan ou encore du mauvais bilan à la tête de la Confédération africaine pour ouais. de ce bureau qui a fait 4 ans Mais Ils sont comptables tous, puisqu'ils ont tous appartenu au même bureau. Pourquoi aujourd'hui ils veulent, par ils ont... exemple, euh, se dédier oui, veut dire Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a. Euh, vous savez, le football, on a, nous qui avons essayé d'entrer dans ça, on a compris beaucoup de choses. Le football est compliqué. Et, euh, un jeu des grands donné, jeu. Oui, et à un moment donné, à un moment donné, euh, je pense qu'il y a d'autres choses qui font en sorte que parfois la raison, on la met de côté. La raison, on la met de côté. Donc, les, le, intérêts non, les intérêts, parce que... Les intérêts, ça, et c'est ça le plus. C'est ça même le plus clair. important, parce que dans le accord, football, c'est d'abord même plus des intérêts. Parce que c'était du jamais vu, cinq candidatures à la, à, ah, à, à la succession d'Amad Amad. Ah, vous ah, vous rendez compte, il y a un véritable malaise. Soit Amad Amad et son comité étaient en train de disgrâce depuis fort longtemps, ah. et on observe le résultat d'aujourd'hui. On a vu, par exemple, Senghor qui rappelait qu'il n'avait jamais vu ça. où on a un secrétariat général intérimaire depuis quelques temps à la tête de la Confédération africaine de football. Et la CAF a été mise euh, sous tutelle de la FIFA avec Fatma Samoura. Ça veut dire qu'il est invitable, même bien qu'il soit comptable c est, c est de cette édition. Voilà ça. les motivations qui ont fait en sorte qu'il oui. présente sa candidature à la FIFA. Et c'est tout, tout à fait normal parce que... Est-ce que ça ne démontre pas, pas une gestion opaque d'Amad qui aurait mis ses lieutenants de côté Probablement, c'est pour ça, probablement, ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure si, Parce que si vous arrivez aujourd'hui, à une décision comme celle que le comité exécutif est en train de prendre, qui n'est pas capable d'adouber son président, ça montre qu'il y a un véritable malaise. Alors le pouls de malaise vient à quel niveau Est-ce que le président Ahmad, nous le connaissons déjà, il nous l'a démontré dans ses, ses différentes sorties, il a fait est quand sécurité au Cameroun, on connaît souvent que Ahmad, Ahmad c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose aujourd'hui, demain, demain, demain. Demain, demain il change. Est-ce que c'est le même processus qu'ils ont en interne ça, il n'y a que les membres du comité exécutif. Mais aujourd'hui, par exemple, cinq membres euh, <laughs> euh, ces détails, ça démontre tout le malaise qui a l'intérieur. Et à l'époque, vous voyez, c'est pour ça qu'on devrait féliciter aujourd'hui le président de euh, l'ancien président Isia Yatou, qui a mené cette bague pendant de longues années. Et Donc, nous, on, on a posé la question à Constant Omarie, qui a géré la transition pendant un peu de temps. Dès qu'il est arrivé, la première résolution, il a, mis, et, 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 il a fait passer en vitesse. Expiatoire en mmh. mettant le président mmh. Issaïa la... euh, comme président mmh. d'honneur de la confédération. Ça allait très vite oui, et oui. c'était pendant son petit temps de majesté parce qu'Ahmad est de retour. Oui, mais justement, vous comprenez donc que Issaïa c'est un monument dans le football africain. À son à son temps, si d'avant qu'il était là, la FIFA n'aurait jamais mis son nez dans les affaires de la CAF. Ça ne devait pas arriver. Il a toujours fait ce combat. Il a toujours fait ce combat et on a vu aujourd'hui, le simple fait qu'il ne soit plus là. On voit déjà les résultats. On a l'impression qu'à la CAF, rien ne va. On change, on planifie les choses, on les change du jour au lendemain. Finalement, on ne sait pas où on va. On, on va écouter en le, va le président, président, président Senghor avec votre concours, avec votre permission. Écoutons le président Senghor. On a pu lui arracher quelques verres du nez à l'issue de cette conférence de presse de présentation de sa candidature à l'hôtel Hilton de Yaoundé. C'était il y a quelques jours. Ce mandat reposer sur euh, euh, certaines nouvelles organisations au plan éthique au plan administratif, mais aussi sur euh, la mise en œuvre des nouvelles règles de gestion des, des organisations modernes. Je vais parler euh, d'une nouvelle gestion, euh, des finances assez bien, euh, une meilleure valorisation de l'image de, de la Confédération africaine. Sans, euh, une confédération, euh, 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 une association ou même un club arrive à améliorer son image, c'est en ce moment-là qu'elle peut tirer le maximum de bénéfices au profit de ses acteurs. Aujourd'hui, c'est là où nous en sommes, On sait que la FIFA a des difficultés financières, mais c'est intrinsèquement lié à la semaine commerciale parce que depuis deux ou trois ans, aucune rentrée commerciale n'arrive parce que simplement nous sommes dans des difficultés avec nos partenaires commerciaux, donc ça aussi il faut le régler. Mais Gérer la CAF aussi, c'est développer le football. Parce que le rôle d'une confédération, c'est le football. Repenser nos compétitions, mieux les valoriser, mieux harmoniser le calendrier avec celui de la FIFA et des autres confédérations pour pouvoir en tirer le maximum au plan commercial, mais aussi travailler en relation avec la FIFA en relation avec euh, les autorités gouvernementales et les États, à se doter d'infrastructures nécessaires pour pouvoir pratiquer le football. On ne peut pas parler d'une grande carte à 24 euh, Si dans nos pays, à la limite, de 95% des pays n'ont même pas trois stades dignes de ce à l'intérieur de leurs frontières. Et pour ça aussi, je pense qu'il faudrait qu'on travaille en ce qui concerne la carte à pousser les pays à co-organiser. c'est comme ça qu'on peut résoudre ces problématiques. En attendant que chaque pays soit doté du nombre d'infrastructures de qualité nécessaires pour pouvoir produire et organiser des cannes de qualité, et surtout développer un produit commercial qui attirera les, les partenaires. Ça, président, manager Adam, pour lorsqu'on écoute le président Senghor en plein ligne, il prend par exemple le cas de la canne qui passe à 32, alors que la plupart de nos pays ne sont pas capables d'avoir des infrastructures pour supporter euh, ce nombre de, 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 de pays pour, ces, pour ce grand rendez-vous. Lui, il pense plutôt aujourd'hui à des co-organisations. Ça je veut pense... dire que de ce côté, on n'a pas bien analysé avant que de, 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 de mettre ses réponses du pied du côté de la Confédération. Exactement, parce que euh, quand on parle de co-organiser une compétition, je pense que c'est quand même la fierté pour chaque pays. D'organiser sa compétition et de réussir sa compétition. Vous vous rappelez quand euh, le Cameroun était un moment en disgrâce partout en Afrique avec euh, le champ qui approchait, avec euh, la, la grande canne qui approchait On parlait de co-organiser euh, euh, ces compétitions, soit avec euh, le Nigeria voisin, soit avec le Gabon. Oh, ça faisait un choc pour le Cameroun, mais aujourd'hui, vous avez vu avec quel brio le Cameroun a pu sortir. Euh, 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 par la grande tête déjà avec le et l'avenir euh, est radio avec euh, l'arrivée du Cannes. Je pense qu'il n'a pas bien pesé euh, la réalité même du football africain en suggérant 32 équipes déjà. C'est un projet qui est très difficile parce que, en dehors des pays de l'Afrique du Nord, <coughs> l'Afrique du Sud et quelques pays, aujourd'hui le Cameroun avec les infrastructures qu'on a, on a en mesure d'accueillir 32 équipes au Cameroun. Mais le reste, des équipes en Afrique, le reste des pays en Afrique, c'est beaucoup de travail, que ce soit sur euh, le plan euh, euh, footballistique, c'est-à-dire les stades, que ce soit sur les plateaux techniques euh, euh, hôteliers, que ce soit sur les plateaux techniques euh, hospitaliers. Je pense que c'est énormément de travail. Accueillir 32 équipes, il y a très peu des, des équipes africaines qui peuvent le faire. Il faudrait bien qu'ils pensent qu'ils révisent encore ces propositions. Si c'est une proposition de campagne, parce que tout le monde aimerait bien participer à la CAN, parce qu'à 24, il y a toujours des équipes qui se font éliminer. À 32, c'est de donner la possibilité à un maximum de pays eh, d'y participer. Mais il faut revoir avec la réalité du terrain, est-ce que les pays qui vont organiser pourront être à mesure de tenir, de supporter tout ce flux de personnes qui vont converger vers le lieu euh, de, 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 du tournoi ou alors l'idée de co-organisation. Co moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée à ne même pas considérer. Chaque pays est fier d'organiser sa compétition. C'est plus original. Euh, à, euh, moi, je pense que c'est plus original ainsi. Merci, président manager Adam Boumé. C'est sur ce mot qu'on va boucler cette première partie en guise de pause actuelle. On repart avec le concours du réalisateur en chef, Djani. On revient parler des sélections nationales derrière. Parlons des sélections nationales, on va coller un petit mot sur la Cannes U20 qui démarre, ce sera samedi prochain ou dimanche prochain du côté de Nouakchott à Mauritanie. Les nôtres viennent de boucler une phase de préparation du côté de Rabat au Maroc ponctuée par trois matchs à Amico. Le Cameroun a réalisé deux victoires et une défaite, une belle victoire hier face à la République centrafricaine avec un triplé du sociétaire de PWG, de Bameda, John Bosco. Uh, Chindo, le Cameroun qui l'emporte, 3 buts à 0, mais le Cameroun était tombé quelques jours avant, 48 heures avant, face à la Gambie, 0 buts contre 1. Le but a été considéré à la 70, 77e minute. Et lors de la première sortie, le Camoun s'était imposé face au Burkina Faso sur la plus petite des marques. 1 but à 0, le but portait l'estampille du meilleur buteur et meilleur joueur du dernier tournoi. À Unifab. Euh, il s'agit plutôt euh, de sondes Jean, euh, Coach Grégoire Atanangandi, à travers cela, est-ce est qu'on peut garder espoir pour la compétition qui démarre dimanche prochain pour ce qui est de ces poulains euh, du coach Christophe Ousmane Oui, je pense toujours qu'à l'issue d'une bonne préparation, on a, gagné, on, a, on a gagné un thème de capital de confiance. Vous savez que c'est dans la confiance que les victoires viennent et puis quand il y a des victoires, on gagne en confiance. Je pense que le groupe de, du coach Christophe euh, s'en va à Noachoc avec euh, beaucoup de confiance pour pouvoir mieux entamer la compétition. C'est vrai, nous allons démarrer la compétition contre le pays organisateur. Et généralement, on, on imagine un peu l'ambiance qu'il y aura ce jour au stade. On espère que les gamins pourront supporter ce, cette ambiance, cette faveur populaire qu'il y aura du côté de Noachoc. Et. Tout ce que je peux le souhaiter à la délégation camounaise, c'est de faire une bonne canne. Voilà. Président Jolie Vauboul, en parlant de cette canne, peut-être le technicien a parlé de la préparation on reviendra avec l'autre technicien, avec nous en plateau. Le Cameroun, aujourd'hui, dans la poule, a en compagnie du pays haut. Surtout dimanche prochain, le Cameroun joue le match d'ouverture. À côté de cela, il y aura l'Ouganda et le Mozambique. Qu'est-ce qu'on dira que c'est une préparation XL pour ces lionceaux du Cameroun avant que d'entamer la compétition oui, on va dire, puisqu'ils ont bénéficié quand même d'une euh, préparation également, un rodage à l'extérieur. Et puis, c'est les gamins, comme vous dites, vous savez, les gamins, tout ce qu'ils ont d'intérêt, c'est à aller jouer. Eux, ils ont juste l'amour de jouer. C'est pas comme avec leurs aînés, où il y a certaines conditions, peut-être au préalable, qu'il va falloir remplir telle ou telle chose. Mais avec les gamins, eux, ils ont envie de jouer je pense que c'est pratiquement euh, si je me trompe pas c'est pratiquement les mêmes joueurs une bonne partie des joueurs qui étaient au tournoi Unifac qui 40%. vont se retrouver 40% donc ça veut dire qu'il y a déjà une ossature qui est constituée et le reste va venir tout seul maintenant la préparation à apporter des résultats euh, qui ne sont pas mauvais véritablement ils des ont victoire, perdu ils des de victoires surtout avec des pays des nations voilà. pas donc, avec des clubs donc du coup ça montre qu'il y a du potentiel euh, ces, ces jeunes et euh, je crois que les coachs qui sont sur place ça vous vont, vont savoir faire le, le bon dosage pour bon, on okay. ait, oui, pour qu'on puisse... on ne avoir... mettra pas quelqu'un parce qu'il s'appelle, on... par exemple, Gandhi ou bien... Parce ben, je ne vais pas entrer dans ces bon, détails, exemple, mais, hein. mais je dis, c'est pour ça que j'ai dit qu'il sera fait du bon dosage. C'est pour ça que j'appelle le dosage, parce qu'il faudrait avoir une équipe compétitive, celle qui va pouvoir permettre à la nation d'aller le plus loin possible. Maintenant, en face, il y a des gens également qui viennent pour gagner. Ce ne sont pas les enfants de cœur qui vont trouver, ils vont trouver en face. Donc, il faudrait que chacun puisse jouer son rôle, et que le résultat après soit... soit Est-ce que c'est jouable dans cette poule Cameroun, Mauritanie, Ouganda, Mozambique Non. Le, pour les le Cameroun, vous savez, le Cameroun reste le Cameroun, c'est un pays de football, le Cameroun c'est le Cameroun, rien qu'à prononcer le nom Cameroun, on a déjà peur. Donc, euh, ces enfants vont moi je me dis, ils vont... C'est vrai, c'est le pays organisateur, il y a une grosse pression lorsqu'on joue contre le pays organisateur, mais on a toujours su Suivez notre épingle du jeu lorsque nous rencontrons toujours ce genre. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre des pays organisateurs. Moi, je pense que les enfants vont mouiller le maillot. Le coach, s'il a un bon effectif, il n'y aura pas d'inquiétude à se faire dessus. Président, manager, dans le premier mot, sur cette préparation du Cameroun et surtout, il y a quand même une grande absence. C'est le sociétaire de Toulouse aujourd'hui, Siv voyez il ne pourra pas prendre part à la compétition parce qu'arrivé à Toulouse, il s'est blessé, il vient de recommencer à jouer et le club n'a pas voulu prendre des risques en le laissant aller dans cette compétition pour éviter une autre blessure parce que euh, arrivé dès qu'il a signé, toute euh, l'infirmerie est revenue à la charge du club Toulouse. Écoutez Daniel Fissinger, quand vous parlez de Steve, vous, vous, et vous faites allusion à une individualité. Moi, je pense que les équipes... Euh, les équipes jeunes, c un pas, un, il faudrait plutôt primer la collectivité, le collectif, parce que nous sommes à la sortie de la phase de formation, et en formation, c'est le jeu collectif, c'est la technique collective, c'est la tactique collective, c'est l'amélioration des gestes techniques, des phases offensives et tout. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus basé dans le collectif que dans l'individualité. Donc on ne saurait décrier l'absence peut-être de steam voyez, qui est une... Une individualité et qui n'est pas dans le groupe, qui ne connaît pratiquement pas l'effectif parce que les mecs qui sont allés à l'UNIFAC, ils ont remporté haut la main l'UNIFAC. Aujourd'hui, on a 40% de cet effectif qui est reparti pour la conquête euh, du sol mauritanien avec le renfort de quelques professionnels. Les, les matchs de préparation se passent bien. On va, on va juste espérer que le coach Ousmane a pu huiler cet effectif, a pu. Trouver le savant dosage qui va nous permettre de sortir notre peigne du jeu parce que rencontrer la Mauritanie à domicile, ce n'est pas du tout évident. On a l'Ouganda qui, les trois dernières années, sont euh, une, une, la nation qui a été, vous vous rappelez, il y a un, deux ans, qui a, qui a eu le, le, le prix d'une euh, nation émergente en matière de football. C'est le pays où, on, où les centres de formation sont développés, où les jeunes apprennent à jouer au football dès le très bas âge. Où la culture du football La jeune. culture du football jeune, exactement. Donc, je pense que ce ne sera pas du tout facile de sortir de cette poule. Il faudrait déjà qu'on se batte sur le plan euh, collectif et tactique, que le groupe soit soudé pour pouvoir tirer notre épingle du jeu. Je pense que le coach Ousmane nous fait du très bon travail. Espérons que tout va bien se passer dans cette catégorie. Parce que qu'il faut qu'on mette les ici. moyens à sa disposition. Parce qu'on sait que nous sommes allés à Malabo, ça n'a pas été évident, même pas un radis euh, que les enfants avaient dans la poche. Ce n'est qu'au retour à Yaoundé qu'ils ont. Reçu la prime, un enfant ne pouvait même pas acheter un bonbon à l'aéroport en rentrant au Cameroun. Inject l'argent, l'agent, il faudrait bien que peut-être l'agent, ça vient de l'aéroport. Nous, lorsque... nous sommes chez les U20 Inject Il y a quand même le décret présidentiel qui dit, lorsqu'on va dans une compétition comme celle-là, trois mois avant, pourquoi ce qui est dit dans les textes, on ne veut pas appliquer. On doit négocier la prime, on doit savoir ce qu'on gagne. Il s'agit de la sélection nationale. Ce n'est pas nous qui avons dit, Président Dabou. Exactement, ça c'est sur le plan administratif. Maintenant, sur le plan purement technique, sur le plan purement sportif. Quand vous êtes appelé à l'équipe nationale, vous êtes amené à défendre le drapeau camerounais. Il faut d'abord jouer. Il faut d'abord jouer parce que ça, il en va de votre carrière. Moi, je, je connais des jeunes qui sont prêts à dépenser des fortunes pour faire partie de cette équipe nationale. Ceux qui ont la -ce chance, on doit payer pour jouer. Je dis, il y a des jeunes qui sont prêts à dépenser pour entrer dans cette équipe nationale. Vous qui avez la chance d'être appelé à l'équipe nationale, vous exigez qu'on vous paye avant de jouer. Je pense que chez les U20, un jeune, c'est d'abord... Euh, c'est d'abord la partie qu'il faut défendre, c'est d'abord sa carrière qu'il faut défendre. Je pense que l'agent vient après. Coach Attanangandi, c'est vous qui allez boucler sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour ne pas tomber dans le piège à partir du dimanche prochain au workshop Je pense que ce qu'il faudrait éviter c'est euh, tomber dans le complexe de supériorité parce que nous c'est le Cameroun en face on a la Mauritanie. Ce que le coach Christophe devra devrait dire à ses poulains c'est que c'est des pays émergents. C'est des pays qui travaillent. On le voit à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Donc, euh, en gros, il faut éviter le complexe de supériorité en se disant que nous sommes camerounais et qu'en face, c'est la Mauritanie. Ce n'est pas un grand pays dans le, le, le monde du foot. Je pense que là, on aura tout fait faux et on risque d'être surpris. Donc, voilà. Pour éviter d'être supprimé, il faudra être discipliné. De ce côté, surtout, respecter les consignes. Parlons du champ total Cameroun 2020. La cérémonie de clôture a eu lieu dimanche dernier au stade de Minesport, Amadou Aedio avec. Euh, euh, le Maroc qui conserve le titre, c'est historique. C'est la première fois qu'un pays remporte deux fois successivement cette compétition. Les coéquipiers d'Ayoub El Kabir sont imposés face au Mali sur le score sans appel de début à zéro. À l'issue de cette rencontre, notre rédaction s'est planchée. On refait le résumé de cette finale entre le Maroc et le Mali. Et rencontre remportée par les Lions de l'Atlas, amenée par Ayoub El Kabir. Par l'occasion, le Maroc remporte le meilleur joueur, le Meilleur gardien de but et le meilleur buteur de la compétition, André Bella signe le reportage. C'est un doublé historique pour le Maroc en cette compétition du championnat d'Afrique des nations. Les Lions à prime de l'Atlas ont fait fi de la tactique malienne de victoire basée sur tir au but pour leur imposer deux coups de claque. Animés dans un chemin tactique de 4-2-3-1, leur ayant permis d'atteindre cette étape de la compétition, les aigles du Mali sont longtemps parvenus à verrouiller la rencontre. Le pressing intense et physique a permis aux Maliens de récupérer des ballons dans la moitié des terrains marocains en début de match, mais sans concrétisation. Cependant, le prix à pied de cette intensité est une multiplication des fautes et des coups francs. Afidi en profite pour offrir sa première occasion au Maroc à la 15e minute en déposant un ballon sur la tête d'Ayoub El Kabi. Sur un autre coup de pied arrêté, Soufiane Raimi, meilleur buteur de la compétition, coalise vicieusement avec Afidi pour titiller l'emblématique gardien Djigu qui a repoussé la frappe tendue avec leur bloc compact et organisé, les Maliens semblent étouffer le potentiel offensif marocain, comme ce fut le cas avec le Congo et la Guinée, en quart de finale et en demi-finale jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les tenants du titre reviennent dans un état d'esprit féroce et trouvent des espaces dans le camp adverse. Afidi glisse un ballon dans la profondeur à Raimi, Samaki intervient inextrémis à la 51e minute de jeu, dans l'espoir d'un pénalty. L'assistance vidéo répond « Désolé ». À la fatigue de fin de compétition et dans un choc de titans, les occasions se raréfient après l'heure de jeu. Il aura donc fallu attendre la 68e minute pour désintéresser les Maliens avec un coup de tête de Soufiane Bouftini à la suite d'un corner. Ayant découvert cette fenêtre des étoiles, le capitaine Ayoub El Kabi fait le brick du chaos 2 à 0 à la 79e minute de jeu. Fin de parcours mythique du Mali, qui se contente de la deuxième place devant la Guinée, cinq ans après la finale perdue face à la République démocratique du Congo, Rwanda. Rappelons qu'avec ce deuxième sacre dans son palmarès, le Maroc égalise le nombre de victoires dans la compétition de la RDC. Les deux géants vont pouvoir s'expliquer lors de la prochaine édition en Algérie 2020.